Tout le monde, c'est Westraid. Alors, nous voici donc pour l'épisode 3 donc, du Let's Play sur Minecraft. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on va commencer à faire tout ce qui est les débuts de machinerie, hein, puisque j'ai rapporté du minage. Je vais faire un petit double coffre exprès pour les minerais, histoire de bien s'organiser dès le début, hein. Minerai, 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 minerai. Ouais, le cinnabar aussi. Hein. La cobble. Pff, hein, on va pas mettre ça. Je pense que je vais commencer, je peux dire, surtout du Ender.io. Ender.io pour les quelques débuts, mais je pense très vite déboucher sur un tout petit Big Reactor. 19 Certus Quartz Crystal et 5 Carbon. Franchement, il y a de quoi bien commencer là. Très bien. Alors, on va commencer directement. Alors, il nous faudra une source d'énergie. Source d'énergie. Ne serait-ce que temporaire. Alors, on va prendre un Stirling Generator. Qui ne coûte pas cher. Vraiment pas cher. J'avais pas un piston de base. Non, ok. Alors, redstone au coup de cobble. Un petit peu de fer. Normalement, on devrait avoir de quoi faire ne serait-ce qu'un piston. Si je me souviens bien, je crois que c'était comme ça. Ah, ça va. C'est, je ne suis pas si rouillé que ça pour le vanilla. Hop. Des gears, des basic gears. Ensuite, il faut de la stone. Précisément de la stone brick. Bon. Voilà. C'est. Reste plus qu'à attendre pour le coup. En quoi est-ce que je vais pouvoir m'avancer? Il me semble que j'ai assez de faire pour débuter. On va faire un SAG 1000. D'ailleurs, est-ce que j'ai du flint? Du flint, du flint. Non, je n'ai point de flint. J'ai un de gravier, c'est pas ça qui va me ramener du flint. Ouais, je vais vendre une petite grotte là-bas s'il n'y a pas, ne serait-ce qu'un tout petit peu de flint. Ah, du flint, pardon, du gravier. Qu'effectivement, on a bien besoin. 30 secondes, parce que je vais baisser le son de Minecraft en général. Je sais pas pourquoi, mais ça finit par me donner la migraine. Aussi, on va pas faire les chiens, c'est gratuit, on va mettre la musique. On va l'ouvrir, voilà. Groove musique. Voilà. J'essaierai de mettre des musiques plus diversifiées pour la prochaine fois, hein. Je crois qu'on voit pas grand-chose, hein. Voilà. C'est vrai que je devrais penser à installer Optifine, ne serait-ce que pour Dynamic Light. À moins qu'il soit déjà. Non. Non, dommage. Alors, miner le charbon, ça ne va pas être mauvais, vu qu'on va avoir besoin de charbon avec le Stirling Generator qui, je rappelle, ne fonctionne qu'au charbon. Ah, ou tout ce qui est combustible en fait. C'est bon, du gravier. Donc j'ai bien fait de chercher. Déjà 3 flints. On va pas faire les radars non plus, on prend tout. Alors 30 secondes, j'oublie à chaque fois de mettre mon minuteur. J'avais dit 25 minutes, ce sera 25 minutes. Voilà. C'est bien. Pour le flint, on a une petite base. Ok, nickel. Ouais. Le copper il est là. Au début,
chiant parce que le coiffeur on a beaucoup besoin. Après, plus tard, on remarque qu'on a 5 ou 6 coiffeurs différents de plusieurs modes. Après, t'es là, oh, pas encore du coiffeur. Ouais, c'est bien là-bas, on va pas. Je vais pas me téléporter pour si peu quand même. Surtout, je ne sais pas si j'ai installé 5 postes. Enfin, je crois avoir installé dans cette Portal 3, mais ça ne sera pas pour des petites distances non plus. Galore, Yellowrite. Peut-être qu'il n'y aura pas assez de faire de Yellowrite, sauf si le truc tourne bien. Du bois. Voilà. Du bois. Pourquoi du bois? Eh bien, pour faire ne serait-ce qu'un stick. Un stick, ça. Hop. Voilà. Le chisel. Pourquoi le chisel? Vous allez me dire, c'est inutile, je sais. Je m'en fiche. Le chisel, c'est la vie. De mon souvenir. Hop. Bon. J'ai pas réussi à m'en souvenir. La petite migraine qui s'est installée, désolé, j'ai. Ce poulet, quoi. Ce poulet. Sérieux. Ah ben non, elle a toute ma cobble. Super. Bon. Un petit four. Le four, le piston, la stone brick et le base gear, c'était de l'autre sens. Hein. On a un Stirling Generator pour commencer. Donc voici la première machine qu'on a, Stirling Generator. Donc, voilà. On peut le laisser parce qu'il génère automatiquement 20 RF par tick. Le temps de faire nos mono-machines, on sera bien tranquille. Le 5000, j'avais dit. Faut de l'or, du copper. Voilà. On va le faire cuire en mode rien à foutre. Voilà. Il va falloir un de copper aussi. Allez, gamin. Voilà. Hop. On se prépare déjà. Alors. De mon souvenir, ah non, c'était pas le bon. De mon souvenir, ouais, il faut des barreaux, des iron bars. Des iron bars, voilà. Je sais pas si on va avoir assez de copper pour le coup. De copper, que dis-je, de fer. Voilà, un capacitor. Non, c'était dans l'autre sens. Je me trompe toujours avec l'ordre ainsi. 5000, 4 de fer. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je disais? On est déjà à court de fer. Donc, pour ce qui est du fer, il me semble qu'on en a pas mal. Dans mes souvenirs, du moins. Et apparemment, seulement dans mes souvenirs. Ça, on en a pas. 8 pour ne consommer qu'un charbon. Là où je l'ai planqué, là. Ok, super. On va attendre le premier lingot. Si je commence le piston. Comme ça. Voilà. Voilà, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas envie de remettre les objets. Ouais, ça se fait automatiquement. D'ailleurs, il se charge tranquille, il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi le 5000 parce que le 5000 fait la même histoire que le pulvériseur de thermal, sauf que ben, c'est un peu low cost. C'est la même chose, mais en moins cher niveau ressources. Même si, j'avoue,
Je kiffe Thermal. Mais par exemple, Pulverizer. Alors, outre le fait de dire que tout ça, c'est faisable, c'est même facilement faisable, il n'y a aucun souci. Pulverizer. S'il faut du tin, du verre, un peu de fer, ben, il faut couiller. Bon, on aurait de quoi le faire, ça prendrait du temps. J'avoue qu'on aurait pu le faire. Je vais oublier le fait du sable. Disons que dans les parties en général, on n'a pas souvent de sable dès le début, à moins d'être dans un désert, ou bien c'est pas pratique, etc., etc., etc. Donc j'ai pas pensé. Autant pour moi, my bad, mais ce sera comme ça. On fait avec, hein. Revenons sur Ender.io avec, je crois que c'est JUI. Ouais, ça doit être ça. Ça n'existe plus, NUI. Du moins pas pour cette version-là. D'accord. On a un Ender.io de Ender.io. Exchange Energy. Ah, d'accord. D'accord, pourquoi pas. Du coup, au niveau du four, au niveau du four, et donc, si le thermal ne s'y trouve pas, thermal, Redstone Furnace. Là, ça demande de la brique. Allez, je vais voir si. Oula! Je vais voir s'il n'y a pas un peu d'argile dans le coin. Ce qui m'arrange rien si on fait directement le furnace thermal qui, je trouve, est beaucoup mieux. L'alloy smelter sera indispensable aussi, hein, mais. Ah ouais. Il sera indispensable aussi, mais dans le cas présent, on n'a pas besoin tout de suite. D'où je préfère du bon vieux thermal à Ender.io. Ah, ça va, un bon petit filon de d'argile, de clay, ici. Allez, encore un petit peu, c'est bon. Alors ça nous fait, oh, presque deux stacks. Deux stacks, j'ai dit. Non, deux stacks. Le nénuphar. Je comprends pas comment on peut sauter sur un nénuphar réellement. Hein. On va prendre des réserves. Hein, parce que... bah, malheureusement, je n'ai pas. Je n'ai pas su mettre Immersive Engineering, donc ça ne servira pas pour cela. Mais au moins pour Tinker's Construct. Alors, ça, cette fossile archéologie, les fameux esturgeons et les nautiles. Coucou, les potes. C'est comme Ah non, d'accord, ce sont des poissons alligators. Ah, d'accord. D'accord. Et si j'essaye d'en clic droit. D'accord. Sturgeon. Donc c'est vraiment un esturgeon au final. On peut faire quoi? Le cuire, le bouffer. Ok. Non mais ok. Ça apparaît dans n'importe quel eau, parce que dans ce cas-là, on peut faire carrément une ferme. Hein. Elles ne sont pas stackables. Étonnamment, d'ailleurs. Sûrement parce qu'ils ont l'ID avec le point de vie, etc. Bon, non, c'était pas ça. Slash home. Voilà. Oui.
commencer par le fer. Le fer étant assez important, surtout pour Endario. Là, on va juste cuire ça. Puis je vais cuire. D'ailleurs, il va nous en falloir combien il nous faut? 4 briques, 8 briques. Donc, ok. Il nous faudra que cela. Donc, ça devrait être assez avec un charbon. Si on compte qu'un charbon donne 8. C'est vrai que pour le coup, les câbles. Les items ducts, impulse item duct, non, des simples items ducts. C'est 2 tin, 1 lead. Est-ce que j'ai du tin? Ouais. 2 tin et du lead. Ouais. Dire j'en ai. Ça devrait être compatible aussi. Ça a bientôt terminé. Ah, regardez, on gagne du ferrous grâce au Segmil, ce qui est rare avec d'autres modes. C'est un avantage. Allez, gamin. On en est là. Oh, bah tiens donc, du pulvérisé tin. C'est intéressant. 2 ferrous, 24 iron et un tin. Non, c'est sympathique. Fort bien. Fort bien. Là, lui, il va commencer à cuire, le faire pulvériser, chauffer le ferrous. C'est tout simplement la méthode pour dupliquer les minerais juste avec un peu d'énergie en somme. Un grinder et un furnace. Le furnace qui on va faire le plus vite possible. Et d'une manière ou d'une autre, il va nous falloir du tin. Donc, voilà, tout le tin. Ah, quoi que le lead d'abord, vu qu'il n'y en a qu'un, j'en ai besoin que d'un. Voilà. Maintenant, toi tu vas chauffer. Du lead. Voilà. On a le 2 de lead. Ce sera parfait. Parfait et parfait. Ah, la migraine, elle me fait dire n'importe quoi. La clé ici. Et long. Et vous verrez avec le Redstone Furnace, ça ira déjà bien plus vite. Bon, je vais mettre pause tout cela. Parce que disons que ça risquerait d'être un peu long avant que je récolte tous les ingrédients nécessaires à faire ne serait-ce que le furnace. Donc je mets pause, ça vous dure une fraction de seconde. Voilà. Ah. Alors, ça a pris moins de temps que je ne l'avais dit. Mais en fait, j'ai surtout été me chercher un dafalgan pour le mal de crâne. J'ai rajouté donc trois autres furnaces. D'ailleurs, voici le Redstone Furnace qui est assemblé. C'était juste plus long pour faire. Comment ça s'appelle-t-il? Le verre. Voilà. J'arrive même plus à retenir ce que c'est de l'univers. Hurrah. Oui. Alors, je voulais donc faire un item duct. Que je peux faire.
On dirait bien que je passerais bien, comment dire, sur un coffre ici, tout stock ici. Après, je fais venir l'item duct du coffre, ainsi ça fait un buffer, mais ça sera pour plus tard. Ça sera pour plus tard, plus tard. Donc, il nous fallait deux tin un lead, alors j'ai ce qu'il faut. Deux tin un lead. On va pas en faire trop pour le moment, ça sert juste à rien. Littéralement à rien. Alors, en push ici, et voilà. Et tu reçois par allez, pour recevoir tout simplement par la gauche. Donc en principe, là, il surcharge, il recharge les deux machines. Lui le grind et après une fois que c'est grindé il l'envoie ici. Ouais. Et voilà. Normalement donc après ça va se pousser. Donc tout le résultat ici va se pousser, va aller dans les deux parties parce qu'évidemment si je ne fais aller que le câble que ici, il ne se stockera que sur une moitié de moitié de coffre. Donc voilà. Voilà pourquoi donc au moins ça s'est fait. Restera plus qu'à donc trouver qu'on ait une meilleure source d'énergie. Je ne crois pas que j'aurai assez même en doublant. C'est pas dit, c'est pas dit. En revanche, ce qu'il me faudrait. Avant toute chose, c'est surtout qu'on ait un combustible. Combustible, je vais pas prendre n'importe quoi non plus. Je vais toujours mettre du fer en grindage. Ce sera toujours ça qui se fera donc tout seul. Je vais aller chercher du charbon. Simple cela. Du charbon. Bon. Je vais donc mettre une pause, le temps d'aller et trouver du charbon. Voilà. Voilà. Je me suis vite téléporté, j'ai trouvé un peu de charbon. J'ai mis en même temps un peu de fer, du tin et du Certus Quartz pour bien faire. Alors, allez. Ben, papa est revenu, ouais. Alors, ce que je ferais bien, hein, c'est de ramener. Je ferai une ferme à bois et qui ramènera. Mais ça sera pour un tout petit peu plus tard. Je vais. Parce que j'aime bien entendre le petit clic. C'est mine de rien, mais c'est quand même agréable d'entendre ce bruit-là de Minecraft. Oh, suis-je bête. Mais suis-je bête, Oh là là. Vraiment, mais. Non, quoi. Les œufs. On met de l'iron. Pendant que lui charge, on est tranquille. Donc, je disais. Une autre méthode pour. Générer de l'énergie, si ce n'est thermal, si ce n'est thermal, qui m'énerverait vraiment. Ça génère combien d'ailleurs? Ouais, il ne le dit pas. Il ne le dit pas, il veut pas me le dire. Alors, en somme, qu'est-ce qui va se passer? Il me faudrait alors. Ouais. Chunk loader. Autant c'est trouvable, dire. Pour cela, autant l'Ender Pearl. J'ai même pas croisé un Enderman dans. Ok, là d'ailleurs je suis. Ah oui, d'accord. Ah, je comprends. Ah, mais quelle honte, quoi. Je comprends pourquoi il n'y avait pas de monstres sur la map.
Et moi qui m'empressais de de faire disparaître la Blood Moon, mais s'il y avait aucun ennemi, je suis pas sûr qu'ils allaient apparaître, hein. Je suis pas sûr. Bon. Je vais pas recommencer la partie juste pour ça, hein. Quand même. Alors, dans le cas présent où je n'ai pas de spot loader, qu'il me faut juste miner, donc j'ai comme top pour faire une turtle, la rigueur. Alors, qu'est-ce que j'avais qui peut. Nuclear Craft, normalement il y a des petits EFL machin bazar qui génèrent du RF en continu. MP bombe, c'est sûr pas ça. Fusion plasma, l'équilibrium, steam, density. Super density, d'accord. Fleur, stone, hélium, machine base, magnet. Il n'y a pas use basic. Ouais, non, mais. Fission contrôleur. Ah, voilà. RTG. 8 RTG. Américium RTG pour 40 RF parties. Ouh. Ouais. Il faut quand même déjà un bon début. 8 RTG pour 5 RF parties. Lui, il génère 5 RF parties. Le plutonium RTG sans F partic. Ça fait mal. Il faut beaucoup de lead ici et de l'uranium. Cet uranium-là, on ne peut l'avoir qu'avec certains monstres de Nuclear Craft. Oh fuck. Bon, c'est pas grave. Heureusement que c'est pas grave. On va s'occuper de la hyalurite, hein. Le plus rapidement possible. S'il vous plaît. On va attendre qu'il recharge un peu. Il a l'air d'avoir du mal. Hein. J'ai fait mettre de la cobble. Donc j'ai du verre, ouais. Ah d'accord. J'ai envie de dire. Talon. En même temps, j'ai envie donc, j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal hein, pour cet épisode-ci. T'as créé les premières machines, première petite automatisation. D'ailleurs, de toute façon, je comptais bien réserver de connaître l'énergie pour le prochain épisode, mais au moins, on a un début de machine. Toute basique, bien sûr. Mais arrivera quand arrivera. Donc je pense qu'on s'attaquera sur un petit big reactor. Je vais voir les ressources qui va me falloir. Je ferai tout cela en off entre deux épisodes aussi. Enfin, quoique, non. Je ferai pour l'épisode un épisode dédié juste à l'énergie du big reactor. Donc je pense que ça sera tout donc pour cet épisode. À moins que attendre ici pendant 2 heures, mais ça m'étonnerait que vous n'aimiez bien ça. Donc je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo. Le blabla habituel, likez, partagez, commentez. Et à une prochaine vidéo. Bye bye.